Bignona est à l'honneur aujourd'hui. Et le choix n'est pas fortuit. Le choix n'est pas fortuit parce que rien qu'avec l'expérience africaine du Bénin et du Burkina, notamment également du Cameroun, nous avons compris, et les maires de toutes les collectivités qu'on a invitées aujourd'hui ont compris qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent simplement parce que nous ne sommes pas très organisés. Nous avons tout ce qu'il faut pour que chacun y gagne. Les populations elles-mêmes, les exploitants forestiers et les collectivités territoriales, mais également l'État. Nous sommes dans une certaine clandestinité involontaire, alors que nous pouvons travailler à bien exploiter la forêt. L'exploitation de la forêt, ce n'est pas quelque chose d'interdit. Mais on le vit ici du fait d'une certaine désorganisation comme une activité interdite. Nous sommes là pour travailler à exploiter de façon optimale nos forêts, dans la légalité, mais également dans une économie de forêt. Et c'est possible. Chacun est pressé de rentrer chez lui pour préparer un plan d'aménagement avec l'appui des eaux et forêts, dont le capitaine est présent également aujourd'hui à la séance. Nous savons que nous avons du chemin et nous avons un gros chantier à faire que nous allons encadrer dans le cadre de l'intercommunalité.